Une possible surprise? Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur second enfant, une petite fille prénommée Lilibet, le 4 juin dernier. Une heureuse nouvelle qui a été transmise au monde entier via un communiqué. Depuis, les Britanniques attendent désespérément de voir le visage de cette dernière, mais les parents ne semblent pas du même avis. En effet, la tradition de la famille royale indique que le bébé doit être présenté aux Britanniques quelques heures après sa naissance. Les Sussex avaient déjà enfreint le protocole puisque s'y est uniquement le lendemain que le petit Archie avait été montré, dans le hall Saint-Georges du château de Windsor. Loin de la famille royale, le prince Harry et son épouse ont fait le choix de ne jamais dévoiler leur petite fille. Vont-ils prochainement changer d'avis? Selon les informations de Hello Magazine, publiées ce lundi 21 décembre, il se pourrait que le couple décide de mettre une photo de Lilibet sur leur carte de vœux. Un cliché qui mettrait fin à une longue attente puisque les Britanniques sont impatients de découvrir la fille du prince Harry et de Meghan Markle. Une image analysée. Le 4 août dernier, Meghan Markle a fêté son 40e anniversaire. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex avait partagé une vidéo sur la page de sa fondation Archewell afin de dévoiler un nouveau projet qui lui tenait beaucoup à cœur. Alors qu'elle était confortablement installée sur un bureau, des photos de famille étaient visibles en arrière-plan. Selon les informations publiées par The Mirror, sur l'une d'entre elles, on pouvait voir Archie se tenir debout. Devant lui, trois petits cadres qui laissaient penser qu'il s'agit de clichés inédits du prince Harry en compagnie de Lilibet, une seconde d'Archie puis finalement une de Meghan. Rapidement, les internautes ont imaginé que cet anniversaire était la bonne occasion pour dévoiler le visage de la petite fille, mais ce ne fut pas le cas. Ainsi, la carte de vœux de cette année répondra-t-elle aux attentes des internautes? Pour rappel, sur celle de l'année dernière, on pouvait voir une photo de la famille au complet puisque les deux chiens du couple, Guy et Poula, étaient présents également. Il ne reste donc plus que quelques jours avant de découvrir la nouvelle. Meghan Markle et le prince Harry, ont-ils fait des confidences sur leurs enfants? Si Meghan Markle et le prince Harry ont fait le choix d'être discrets depuis qu'ils ont quitté la famille royale, ils n'hésitent toutefois pas à se confier lors d'interviews. Invitée du talk show d'Ellen DeGeneres le 19 novembre dernier, la duchesse de Sussex a évoqué ses enfants mais aussi sa nouvelle vie aux États-Unis. Lilibet fait ses dents, avait-elle d'abord expliqué avant d'ajouter être à la recherche d'idées pour tenter de soulager sa petite fille. Et concernant Archie, il adore danser, confiait-elle. Quelqu'un nous a dit un jour, à Harry et à moi, quoi voir un enfant, si est-il un hobby, mais qu'un avoir deux, si est-il devenir parent pour de bon, avait ajouté l'heureuse maman. Épanouie, elle avait ensuite précisé avoir la chance de pouvoir passer beaucoup de temps à la maison, de créer un foyer. On est heureux, tout simplement, avait conclu Meghan Markle. Loading Widget.